d'étudier, de connaître et d'avoir une relation avec Dieu, s'est empressé d'accepter que l'arche entre chez lui. C'est une attitude de foi. Et cela découle de, comme je le disais tantôt, un admirateur de l'Éternel. Ce n'est pas venu du coup, mais c'était quelqu'un qui admirait l'Éternel. C'était quelqu'un qui servait l'Éternel. C'était quelqu'un qui adorait l'Éternel. C'était quelqu'un qui s'occupait des choses de l'Éternel. C'était quelqu'un qui se préoccupait des choses de l'Éternel. Et c'est tout à fait normal qu'aucun de l'homme accepte que l'arche entre dans sa maison. Il a accepté cela. Il a été obéissant. Il a été soumis. Et il a été plein de foi. Amen. Il a été plein de foi. Et nous voyons la conséquence. La conséquence de son comportement. La conséquence de son attitude. Je vais m'adresser à quelqu'un ici au milieu de nous. Il arrive que, particulièrement pour ceux qui sont dans les départements, il arrive qu'un bon matin, ton responsable te désigne pour faire une tâche dans la maison de Dieu. Et souvent nous hésitons, nous refusons, nous remettons en cause, nous disons, nous trouvons des raisons. Nous ne sommes pas prompts à accepter la tâche. Nous ne sommes pas prompts à accepter la responsabilité dans la maison de Dieu. Mais souvent, si l'on sort, cela peut être simplement au fait que nous n'ayons pas une vie consacrée à l'Éternel. Parce qu'un ouvrier de l'Éternel doit être prêt à tout moment. Au père de l'homme ne savait pas que l'arche devait venir chez lui. Lorsqu'il est sorti pour faire le service, il ne savait pas que l'arche devait arriver chez lui. Certainement, il n'a pas eu le temps de préparer sa maison, il n'a pas eu le temps d'aménager la maison. Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Ou aujourd'hui, si tu apprends que le pasteur arrive chez toi, tu as le temps d'appeler la maison pour lui, arranger le salon, arranger l'entrée, aménager les choses, parce que l'homme de Dieu arrive, nous devons bien l'accueillir. Mais au père de l'homme est sorti tôt le matin pour faire le service. Et surprise, l'âge arrive chez lui, avec la délégation du roi. Parce que ce n'est pas Obed et l'homme lui seul qui allait avec l'âge. Elle a dit que David fit emmener l'âge. Donc toute la délégation s'est détournée chez Obed et l'homme. J'imagine comment la famille d'Obed et l'homme était. Voit toute une foule, toute une délégation qui arrive chez elle. Mais elle a accueilli cette foule. Et la Bible nous enseigne au verset suivant que Obed et l'homme et sa maison furent bénis. Obed et l'homme et sa maison furent bénis. Le verset suivant ajoute même que tout ce qui appartenait à Obed et l'homme fut béni. Tout ce qui appartenait à Obed et l'homme fut béni. Si nous demeurons attachés, si nous demeurons fidèles, si nous demeurons consacrés aux choses de Dieu, si nous méditons la parole, si nous servons Dieu avec abnégation, je vous assure que nous serons bénis. Je vous assure que nous serons bénis. Et cette bénédiction ne s'arrêtera pas sur nous, mais elle continuera sur notre maison. Au-delà de notre maison, elle continuera jusqu'à toutes nos entreprises, sur toutes les choses qui nous appartiennent. Amen. Amen. Nous voulons partir sur un deuxième personnage. Et si on peut m'afficher le verset 3, nous voulons parler de David. J'essaie de couvrir un peu le temps. Nous voulons parler de David. David, tout le monde le connaît, c'était un grand roi. À ce temps-là, il était déjà roi. C'est le grand roi David. Le grand, grand, grand roi. L'homme selon le cœur de Dieu. Il venait, quand nous sommes au chapitre 5, il a été introduit roi. Il a vaincu certains royaumes. Il a été introduit roi. Et voilà, il a une bonne initiative, parce qu'il aimait Dieu. Il dit, faut que nous nous occupons des choses de Dieu. Il faut que nous ramenons l'arche au milieu de nous. Il faudrait que nous ramenons l'adoration au véritable Dieu. Le culte qui était servi à Dieu. C'est une bonne initiative. Et certainement, le grand roi qu'il était, parce que la Bible nous dit, dans cette première, que David rassembla encore toutes les lignes d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Bané-Juda pour faire monter l'arche de Dieu devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel.
l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit un char neuf. Il mit sur un char neuf. Autant que moi, l'arche de Dieu. Et la porteur de la maison d'Abinadab sur la colline. Première erreur. David, dans toute sa joie, dans toute sa gaieté, dans toute sa précipitation, dans toute sa royauté, dans toute sa splendeur, il a oublié le minimum, l'essentiel. Il a oublié l'essentiel. Il a oublié de consulter les Écritures. Il a oublié de lire et ou même de consulter les conseillers qui étaient là. Et il commet une erreur qui va lui devenir fatale. Il oublia comment transporter l'arche. Souvent nous sommes pris dans la gaieté, nous sommes pris dans la fête, nous sommes pris dans la joie. Il faut aussi notre statut, notre rôle, nous faire oublier les moindres détails. Et ça, je le dis en connaissance de cause. J'ai eu la grâce d'être d'abord membre dans un département de l'Église. Et souvent, lorsqu'on est membre, on est très engagé. Lorsqu'on est membre, on est vraiment engagé. On cherche la face du Seigneur. Et malheureusement, certains, c'est pas tous, lorsqu'on les élève à une position de responsable, lorsqu'on les élève à une position, ils se préoccupent maintenant comment diriger les gens. Et ils oublient l'essentiel, la parole de Dieu, l'intimité, les choses essentielles. Les choses essentielles. Voilà ce grand roi qui a toujours eu confiance en l'Éternel, qui s'est toujours appuyé sur l'Éternel, avant qu'il ne soit même intronisé roi. Il a toujours eu confiance en l'Éternel. Il a marché avec l'Éternel. Et dans toute sa fête, dans toute sa joie, il oublie comment on transporte l'arche de l'Éternel. Comment? Et il commet une grave erreur. Et cela nous appelle, nous interpelle sur un point, la négligence. Ne soyons pas des chrétiens négligents. Ne soyons pas des chrétiens qui survolent la parole de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui n'aiment pas les détails dans la parole de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui se contentent de ce qu'on a dit, mais pas de ce qui est écrit. Ne soyons pas ce type de chrétiens-là. Mais soyons des chrétiens qui écoutent la parole et qui confondent ce qu'ils ont écouté à ce qui est écrit dans la parole. Et nous avons cette catégorie de chrétiens dans l'Église, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas au hasard si la Bible nous parle de Béréen, les chrétiens de Béréen, ce n'est pas au hasard. C'est pour notre enseignement. Soyons ce type de chrétiens. Soyons ce type de serviteurs de Dieu. Il commet une grave erreur pour cause de négligence. Et cela a coûté la vie d'Usa. Je me permets de le dire. Ses frères nous diront que c'est parce que Usa s'est permis de mettre sa main sur le coffre qu'il fut frappé de mort. Mais en fait, ça a commencé depuis l'erreur de roi David. S'il avait certainement respecté, il se pourrait que les bœufs, qui ne sont que des animaux, non dotés d'intelligence, non dotés de sagesse, parce qu'il ne serait pas là. Un autre point, ce que David s'est inspiré du monde, il s'est inspiré de comment les Philistins ont envoyé l'arche. Et il s'est dit, s'ils n'ont pas été peut-être frappés lorsqu'ils ont envoyé l'arche avec la vache, les vaches, les bœufs, pourquoi moi je ne le ferai pas? N'amenons pas de feu étranger. Dieu nous a suffisamment bénis et nous a donné une capacité créatrice. Il nous a donné une capacité créatrice. Nous avons la possibilité de créer les choses pour la gloire de Dieu. Et pensons pas que ce que le monde nous offre, c'est la fin. Mais appuyons-nous sur l'Éternel. Appuyons-nous continuellement sur l'Éternel. Et quelqu'un qui a une intimité avec Dieu s'appuiera toujours sur l'Éternel. Amen. 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 Toutefois, la Bible nous dit encore au verset
examiné la technique. Au verset 8, que David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé. Il démontre davantage qu'il ne savait même pas de quoi il s'agissait. David fut irrité. Il s'irrita encore du fait que l'Éternel, dans sa souveraineté, frappe Uzza pour son geste. Il s'irrite. Il s'irrite. Quand vous voyez au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza. C'est le même terme qui est utilisé ici quand on dit David s'irrita contre l'Éternel. Il s'est mis même à la place de l'Éternel pour se fâcher comme si l'Éternel était son semblable. David s'irrita contre l'Éternel parce qu'il avait frappé Uzza. Souvent lorsque nous nous éloignons davantage du Seigneur, nous n'arrivons pas à faire la différence entre le mal et le bien. Nous ne savons plus, nous perdons le repère. Nous perdons les repères. L'Église va prendre une décision sur quelqu'un, on va critiquer la décision de l'Église. Et souvent, on ne cherche pas à savoir pourquoi la décision a été prise. Pourquoi la résolution a été prise. Pourquoi telle ou telle décision a été prise avant d'attaquer la décision. David s'irrita contre l'Éternel à cause de la décision de l'Éternel. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et en plus de cela, il a amené donc une atmosphère. Parce que quand vous lisez le verset précédent, la Bible dit que David et tout le peuple faisaient retentir tous les instruments de musique. Il y avait de la joie. L'attitude de David, l'erreur commise par David, a apporté la mort spirituelle en griffe. C'est-à-dire la joie qu'il y avait au départ, cette tête, règle, le roi n'est plus joyeux, le roi est fâché, toute l'assemblée l'est. L'attitude de David a apporté la tristesse, la désolation tout autour pour le peuple. Veillons sur nos décisions, veillons sur les décisions que nous prenons. C'est pour ça qu'il est important de nous appuyer sur la parole avant de prendre une quelconque décision. Parce qu'elle peut avoir des conséquences terribles. Elle peut apporter la tristesse dans nos familles. Elle peut apporter la tristesse autour de nous. Toutes décisions que nous prenons ont des conséquences. Et le Seigneur veut que nous ayons des décisions qui ont des conséquences qui apportent la vie. Qui ont des conséquences qui apportent la joie. Des conséquences qui apportent la réjouissance. Alléluia. Amen. 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 Il faut m'encourager. Amen. Verset 10, à partir du verset 10, et juste à la fin, nous l'avons déjà lu, la Bible dit que David, la fille, c'est-à-dire David eut peur de l'Éternel. D'abord, David s'irrita contre l'Éternel. Ensuite, il eut peur de l'Éternel. Ensuite, il prit une décision sage. Il prit une décision sage. Et cette décision était de conduire l'arche vers chez Obed-Edom, à Gath. C'est une décision sage. Parce qu'il était perdu. Il était perdu. Et il a donc pris la bonne résolution d'abord de calmer les débats. Comme on dit souvent, calmons les débats. Asseyons-nous d'abord. David a décidé de s'asseoir d'abord, d'aller de sonder les Écritures, de retourner dans les Écritures. Il dit, pour ce moment-là, je profère que l'arche, parce que je ne sais pas si je mène encore un ou deux pas, ce qui arrivera. Je profère laisser l'arche ici et aller consulter, aller sonder les Écritures. J'appelais cela une prise de conscience. David a pris conscience de son erreur. David a accepté son erreur. C'est ce qu'en termes simples. Il a accepté son erreur. Mais il ne s'est pas arrêté à simplement accepter son erreur. Il a dit, il faut que je trouve comment réparer l'erreur. Comment corriger la chose. Il a pris conscience. Il a laissé la lâche. Et il est rentré certainement avec son cortège. Il est rentré avec son cortège pour aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a appelé
preuve de maturité. Il a fait preuve d'humilité. Parce que Obed Edom, si on les classe de façon hiérarchique, c'est un enfant devant David. Et il a dit, je laisse lâcher l'enfant qui semble connaître, qui semble avoir plus de foi que moi, qui semble avoir plus d'assurance que moi. Autour de nous, il y a des gens, vous les voyez petits détails, vous les voyez comme s'ils étaient insignifiants. Mais leur comportement, leur attitude, leur foi, si vous prêtez attention, elle poussera la route. Si vous prêtez attention, elle poussera la route. Il a pris conscience, il s'est rabaissé, il a dit, Éthiopien de l'homme, prends l'arche avec toi. Laisse le grand David aller régler ses problèmes avec l'Éternel. Souvent nous disons parce que nous sommes responsables, nous ne pouvons pas commettre d'erreur. Et que aimant, pire s'il est plus jeune que moi, pire s'il est moins diplômé que moi, pire s'il est chômeur, il ne peut rien m'apporter. Mais David s'est humilié. David est retourné pour consulter les Écritures, et cela, c'est dans 1 Chronique 15, verset 2. L'attitude de David a changé. Si on peut afficher 1 Chronique 15, verset 2, il retourna consulter les Écritures et il s'est corrigé. Il s'est corrigé. C'est le même David tout à l'heure qui avait commis l'erreur qui s'écrit. Il dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. C'est l'attitude de quelqu'un qui a constaté son erreur et il est allé dans les Écritures. Et il s'est rappelé que voilà comment les choses devaient se faire. Et alors, il revient, il s'est repenti, il est revenu vers l'Éternel. Confesse tes péchés, confesse tes erreurs à l'Éternel. Il est juste pour te les pardonner. Il est juste pour te les pardonner. Il est juste pour te les pardonner et pour te laver de toute iniquité. David est reparti vers l'Éternel. Il s'est confessé. Il a reconnu sa faute. Et l'Éternel a poussé sa foi. L'Éternel a ouvert son intelligence. La confession ouvre notre intelligence. La confession ouvre notre intelligence avec l'Éternel. Parce qu'on donne la possibilité à l'Éternel de nous enseigner. Et si nous restons réfractaires, si nous demeurons dans notre position, nous barricadons davantage notre intelligence. Et l'Éternel ne peut s'aimer dans notre intelligence. Amen. Amen. Il a pris conscience. L'attitude de David a changé. Il a fait 3 mois. Je ne sais pas si c'est pendant les 3 mois, en tout cas, je sais que sur lui, il a sondé les Écritures. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il s'est répandu. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je ne sais pas. Mais il s'est préparé pour retourner prendre l'arche. Il ne savait pas quand. Mais, au verset 12, la Bible de 2 Samuel 6 nous dit que on veut dire au roi David que l'Éternel a béni au bel Edom et sa maison. C'est-à-dire, ah, donc c'est encore possible. Donc Dieu, le Dieu qui a frappé Uzza, il bénit donc également lorsqu'on est dans ses voies. Lorsque l'on est dans ses voies, il bénit. Lorsque nous sommes conformes, lorsque nous marchons selon ses voies, il bénit. C'est ce que David a compris. Et il a même pu s'écrier dans 1 Chronique, il dit, parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés quand nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous ne l'avons pas cherché selon ses principes. Nous ne l'avons pas cherché selon son conseil. Nous avons utilisé d'autres stratégies qui ne viennent pas de lui. Et ils ont été frappés. Il a pris conscience de cela. Et il a résolu maintenant de suivre, de chercher l'Éternel selon sa loi. Alléluia. Amen. Nous voulons lire 2 Samuel 6, 17. Déjà, quand nous lisons 2 Samuel, déjà depuis 2 Samuel 12, à la fin du verset, il est dit que David fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances, là où il y avait eu la tristesse.
là où il y avait eu la désolation, à cause du fait que David est retourné aux sources, à cause du fait que David s'est repenti, le Seigneur a ramené la joie qu'ils avaient perdue. Le Seigneur a ramené la réjouissance. David est reparti et il est allé avec toutes. Là maintenant, il est avec les Lévites, il est allé avec les sacrificateurs, il est allé avec ceux qui devaient transporter l'arche. Et il est allé dans la joie et dans la réjouissance. Il dit que ceux qui portaient, alléluia. Vous savez, quand je suis venu, c'était difficile. Vous comprenez pourquoi je le dis. Mais le Seigneur est bon. Il fait ces choses en ce temps. Ce passage, quand je l'ai médité, quand ceux qui portaient, au verset 13, l'arche de l'Éternel lui fait si bas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Quand le pasteur lui-même est passé, c'est qu'il est toujours imprévu, c'est qu'il n'est pas dans le, on va dire, en griffe le protocole. Mais selon l'Esprit, le Seigneur lui a amené encore à partager ce passage. Ça m'a fortifié. Amen. Ça m'a fortifié. Parce que nous voyons que l'attitude de David avait changé. David, maintenant, à chaque pas qu'il menait, à chaque six pas, il sacrifiait. Il sacrifiait un veau. Il sacrifiait un peu. En signe de reconnaissance. Certainement, ceux qui étaient autour, vous pouvez se poser la question de savoir, mais pourquoi on est allé là-bas, on ne l'a pas fait. Pourquoi aujourd'hui, chaque fois qu'on fait six pas, on doit sacrifier. Seul David, ceux qui étaient ce jour-là, au premier voyage, comprenaient David. Souvent, on ne comprend pas les gens qui s'élèvent d'une manière particulière à l'Éternel. Souvent, nous ne les comprenons pas. Mais c'est parce qu'ils ont eu une histoire. C'est parce qu'ils ont expérimenté quelque chose avec Dieu. C'est parce qu'ils ont eu une autre révélation de l'Éternel Dieu. C'est parce qu'ils ont expérimenté quelque chose de nouveau avec l'Éternel Dieu. Il a changé la manière de transporter. À chaque six pas, il glorifiait Dieu. À chaque six pas, il offrait. Avec Dieu, si nous n'avons pas une expérience avec Dieu, nous pouvons lire tout, nous pouvons utiliser même la Bible, de Genèse à Apocalypse, il sera difficile pour cette personne qui n'a pas expérimenté quelque chose avec Dieu de manifester la joie réelle que l'Éternel met dans nos cœurs. Il sera réellement difficile et le Seigneur nous invite à cela. Il est celui qui dit qu'il frappe à la porte de nos cœurs. Il est celui qui et chaque jour, il nous donne l'opportunité d'avoir une expérience avec lui. Chaque jour, il nous donne. Si tu te dis que tu n'as pas encore, tu veux une grande expérience. Et chaque jour, il nous donne l'opportunité d'avoir une expérience avec lui. Je veux parler de tout un petit exemple. Tu aimes les chaussures. Supposons, la sœur Péril ici, qui ont une myriade de chaussures. Une myriade de chaussures. Elle peut prendre une chaussure chaque jour jusqu'à la fin de l'année, c'est pas la même. 356 jours avec une nouvelle paire de chaussures. Ajoutez à cela un sac. Un jour, il peut simplement te demander aujourd'hui, là, offre cette chaussure au voisin. Offre cette paire de chaussures-là où tu es tellement attaché. Je veux que tu l'offres à ta voisine. C'est là qui te toise tous les matins. Toise, je ne sais pas comment expliquer ça, mais les soeurs comprennent. Celle qui te toise tous les matins, là. Offre cette chaussure. C'est là l'expérience. On n'a pas besoin que le ciel s'ouvre. Boum! Et puis tu dis, tu as eu une expérience. Voilà la première expérience. Offre cette chaussure. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Amen. Amen. Excusez-moi, je n'ai rien contre les sœurs. Parce que le même également les frères. Bref. L'attitude de David avait changé. La Bible dit que David dansait de toute sa force. Cela n'était pas notifié peut-être au départ. Il s'est réjoui, ça s'est fait. Certainement, il dansait. Mais ici, la Bible prend la peine d'écrire David dansait.
cette phrase nous enseigne que David ne portait plus la tenue de roi. David n'était plus revêtu du vêtement que le roi devait avoir. Mais il s'est revêtu du vêtement du sacrificateur. Il s'est revêtu du vêtement des Lévites. Il s'est revêtu du vêtement des serviteurs. David, qui était le grand roi au début du chapitre, il allait prendre l'arche en tant que roi. Il a commis une erreur. Il a compris que Dieu est plus grand que lui. Il n'y a pas plus grand roi que l'éternel Dieu. Que le roi des rois, c'est l'éternel Dieu. Que le roi des rois, c'est l'éternel Dieu tout-puissant. Il n'allait en tant que serviteur pour aller chercher l'arche. Il n'allait en tant que serviteur. Il a enlevé ses titres. Il a enlevé son vêtement royal. Il a enlevé. Il a dit s'il s'agit du roi, le vrai roi, pas le roi que les hommes ont décidé. Non, le véritable, le roi des rois, l'éternel des armées, le Dieu tout puissant. Il s'agit de lui, il s'agit de sa présence. Il n'est pas allé. En tant que roi, il s'est humilié. Amen. Il s'est humilié. C'est dans cette attitude que David est allé retourner l'arche. Et cela est la conséquence de son attitude au départ. Lorsqu'il a commis l'erreur, lorsqu'il a commis cette erreur, et il a reconnu son erreur, et il est revenu vers l'Éternel, et il a compris que le roi qu'il s'agit ici là, ce n'est pas lui, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Il s'est saigné les fautes de l'air. La Bible dit que David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Il y avait des temps de réjouissance. Alléluia. Au verset 17, il est même encore ajouté qu'après qu'on lui a amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Ça veut dire que même lorsque David a parlé, il a apprêté un espace. Il a prêté un lieu, il a prêté un endroit, là où il n'y avait pas autre chose à mettre. On ne devait pas mettre autre chose, mais seule l'arche de l'Éternel, seule l'arche de l'Éternel, je vais t'inviter ce matin à disposer dans ta vie, à disposer dans ton cœur, un espace pour la présence de Dieu, un espace pour l'Éternel. Et tu dois la prêter. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore accepté Christ, tu n'as pas encore ouvert ton cœur, c'est l'occasion qui t'est donnée d'apprêter cet espace. Amen. Et t'as même résidé dans mon cœur. Il vient résider dans nos vies. Et David a prêté cet espace. Et là, m'a mis l'âge à un autre endroit. C'est à cet espace. Combien de fois nous prenons la résolution de dire, nous allons prendre 3 heures par jour pour rendre grâce à Dieu. Mais ces 3 heures deviennent un espace pour l'Éternel. Mais tu te permets, à cause d'une invitation, à cause d'un programme, à cause de quelque chose, d'éliminer les 3 heures et partir à 2 heures. Et même de quitter les 2 heures et partir à 1 heure pour le Seigneur. Alors que tu as pris la résolution de prendre ces 3 heures pour l'Éternel. C'est pour l'Éternel. L'âge doit avoir une place importante dans nos vies. L'âge doit occuper une place importante dans nos vies. Et si c'est David lui-même qui l'a prêté, c'est une question individuelle. Ça nous concerne de façon individuelle. C'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous qui doit apprêter, aménager, disposer un espace pour l'Éternel dans nos vies. N'attends pas ton voisin, n'attends pas ton papa, n'attends pas le département, mais c'est de façon personnelle et individuelle. Permettez-moi de me répéter. Verset 18, verset 19 nous disent. Oui, au verset 18, il dit, quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Et au verset 19,
Nous comprenons que donc David, le roi David, lorsqu'il alla à la rencontre, lorsqu'il allait pour prendre l'arche et l'amener dans la cité de David, il a donc prévu également des choses, des éléments à distribuer au peuple de Dieu. Il a prévu des choses à distribuer au peuple de Dieu. Fait partie de nos efforts. Et là où il y a le sacrifice, il y a également la bénédiction. Et là où il y a le sacrifice, il y a la bénédiction. Il ne peut avoir une véritable, réellement une véritable bénédiction sans rien sacrifice. Tu veux être béni sans sacrifice? Est-ce possible? Je ne le crois pas. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. C'est après qu'il lui a achevé de sacrifier, d'offrir le sacrifice de l'Holocauste et d'action des grâces. La Bible dit qu'il bénit le peuple et il en distribua. Donc il est béni de façon physique. Après les avoir bénis de façon spirituelle, il a élevé une prière à l'Éternel. Il est béni de façon physique. Et cette image nous renvoie à l'œuvre de Christ, à l'œuvre de la croix, à l'œuvre achevée de la croix. C'est par son sacrifice, c'est par Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, qu'aujourd'hui nous sommes bénis. S'il n'y avait pas le sacrifice de Christ, nous parlerons de cela qui demeure sous la malédiction. Mais le sacrifice achevé de Christ nous a ouvert le ciel. Le sacrifice achevé de Christ nous a ouvert le ciel. Aujourd'hui, nous sommes un peuple béni. Un peuple béni en Christ. Et si tu n'as pas Christ, tu as besoin de lui. Si tu n'as pas Christ, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à ajouter. À cause du temps, je voulais terminer avec la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'elle est venue faire dans cette portion des Écritures, alors que nous sommes en train de célébrer la joie de la vie, nous sommes en train de partager la joie de la vie. Mais la Bible nous parle de quelqu'un. Je n'ai rien à voir avec les soeurs, je n'ai aucun problème avec les soeurs, ni avec les mamans. Excusez-moi d'avance. Excusez-moi d'avance. Et nous voulons parler de quelqu'un qui est cité au verset 16. Si on peut le lire ensemble, si on peut l'afficher pour qu'on puisse le lire ensemble. La Bible dit que, comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, quelqu'un, Michal, salut, regardez par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, virgule, point, pause. Quand vous partez encore plus loin, verset 23. Oh, Michal, fille de Saül, la Bible aussi dit, bon, bref, nul point. Bon, bref, on s'arrête là. Mais Michal, c'est quelqu'un. Quand aujourd'hui, on appelle l'épouse de notre père à tous ici à l'été, on dit quoi? On dit maman. Ouais, une fois. On, comment on dit maman? Oui. Parce qu'on est content, non? Quand vous appelez mon épouse, vous l'appelez comment? Maman. Maman, on dit maman. Et qu'est-ce qui se passe?
Dans le livre également, je me suis battu pour que ça apparaisse même dans ce papier. Quand je pense qu'on s'est écrit, Michal comme étant la fille de Saül. Et si on prend la peine de chercher, on ne comprendra pas qu'en réalité, Michal ici n'est pas simplement la fille de Saül. Il s'agit de la première, la femme, en plus la première, du roi David. Et ça fera certainement l'objet de notre enseignement. Nous n'allons pas entrer en profondeur vu le temps. Pourquoi cela? Mais quand même, ça nous interpelle. Je veux dire à une sœur. Je veux dire plutôt à une sœur. Fais tout pour qu'on ait la fierté de t'appeler Madame Terre. Fais tout pour qu'on ait la fierté de t'appeler Madame Terre. Accepte pas qu'on continue même lorsque tu es marié à t'appeler par ton nom de jeune fille. Même les noms appelés son nom de jeune fille. Sois fier. Et la fierté la viendra de ce nom-là. Mais si tu m'appelles un gangster, c'est sûr et certain que tu vas casser ce nom. Tu n'aurais même pas le courage de devenir pasteur. Mon mari s'appelle le grand tueur de Dakar. C'est lui. Tu ne vas même pas le dire. Et travaillons à être fiers de porter le nom de nos époux. Ça veut dire que nous avons la responsabilité également de cet homme, le choix que nous devons porter vers cet homme. Que ce soit l'Éternel qui le désire. Que ce soit l'Éternel qui déclare cela. Et je vous assure, si on pouvait réécrire, on va ajouter telle épouse de telle. On ne parlera plus de fille de telle simplement. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que David et tout Israël montaient dans la réjouissance, dans les pas de noces, hein, Fanda, comment la chose encore? Fanda Nayo. Amen. Dans les pas de Fanda Nayo, c'est que l'Éternel, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est tranquillement chez elle. Aïe. Frère, fais attention de ne pas épouser ce genre de femme. C'est important, cela est vous conscient. Pendant que tout Israël se rassemble et dans la joie et monte avec l'arche de l'Éternel, entre dans la cité, elle est tranquillement à la fenêtre. À aucun moment on ne parle qu'elle se réjouit. À aucun moment on dit même que non, elle était dans la joie. À aucun moment on dit que non, si elle était en train de cuisiner, elle a jeté tous les ustensiles et elle a couru parce qu'elle a vu l'arche venir. Elle était tranquillement. Comme un film. Et elle était dans le palais. Cela signifie qu'elle était peut-être au 15e étage. Elle regardait, parce que souvent les rois aiment être au dernier étage. Elle était certainement à l'étage le plus haut. Elle regardait. C'est sûr qu'elle se disait, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a quand même pu reconnaître quelqu'un. Elle était à la fenêtre. Ne soyons pas les chrétiens qui restent à la fenêtre. Amen. Ne soyons pas les chrétiens observateurs. Amen. Ne soyons pas les chrétiens qui se mettent à distance des choses de Dieu. Elle s'est mise à distance des choses de Dieu. Elle a regardé cela à distance. Et qui dit distance, dit réduction de la vue, dit manque de perception des choses qui se passent. Et nous sommes donc tentés de juger. Nous sommes donc tentés de donner un nom à celui qui est derrière David. Certainement c'est vu, certainement c'est entré. Mais comme on est à distance, on ne peut le dire avec affirmation. Ne soyons pas des chrétiens qui sont en marge. Refusons d'être de cette catégorie de Micah. Les chrétiens qui sont en marge des choses de Dieu, en marge des activités de Dieu, en marge de l'œuvre de Dieu, en marge de l'avancement du royaume de Dieu. Refusons d'être cette catégorie de chrétiens qui se placent dans la fenêtre. Parce qu'ils passent leur temps à juger. Ils passent leur temps à se dire, mais pourquoi cela? Mais pourquoi elle fait cela? Si c'était moi, mais va danser, on saura qui es-tu. C'est tout. Michal se tenait à la fenêtre. Et lorsqu'on se met à distance, lorsqu'on a un tel comportement à distance des choses qui concernent le royaume, la Bible nous dit que elle... Ah, c'est bon, la même version cachée.
compris la valeur de Dieu. Elle méprise un homme qui a compris la grandeur de Dieu. Elle méprise un homme qui comprend aujourd'hui que sa vie n'est rien, que son travail n'est rien, que son statut n'est rien, que tout c'est l'Éternel des armées. Elle méprise un homme que l'Éternel a choisi, que l'Éternel a oué, que l'Éternel est en train d'élever, que l'Éternel est en train d'utiliser. Elle le méprise dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Évitons d'être ce genre de chrétien. Cela me fait même penser à, comment il s'appelait, si c'est Etychotes ou Tychicus, dans Acte 20. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils comprendront de qui il s'agit. Acte 20 au verset 7. La Bible nous parle d'un jeune homme. Elle commence à voir, elle dit un jeune homme. Si on peut afficher un coup, quand on lise, on va bien prononcer le nom de ce jeune homme-là. Va dire tout le monde verset 9, je crois. Verset 9. Oh, un jeune homme nommé Antiochus qui était assis où? L'histoire de fenêtre, là, c'est pas bon. Lui, il est même assis. Elle a regardé au travers. Lui, il allait même s'asseoir. Il a osé même dans les choses. Il a osé dans son erreur. Il est allé s'asseoir à la fenêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Je vous dis, quand vous êtes à distance des choses de Dieu, vous vous endormez. Et il y a profondément la mort spirituelle. Et effectivement, quand on est mort spirituel, on ne comprend plus les choses de Dieu. Il s'endormit profondément. Qu'est-ce qui s'est passé? Continuez. Entraînez. Il est même entraîné par le sommeil. Soyez entraînés par le Seigneur. Soyez guidés par le Seigneur. Soyez guidés par Jésus. Soyez guidés par Jésus. Il est entraîné par le sommeil. C'est le sommeil qui entraîne maintenant ce jeune homme. Et vous savez que le sommeil va l'entraîner. Il est entraîné. Dans la mort. Si nous nous mettons en marche des choses de Dieu, la mort nous guette. Si nous nous mettons en marche des choses de Dieu, le sommeil profond, en d'autres termes le coma, là même tu es encore un peu chanceux. Et en Griffe, si tu tombes dans le coma et que tu es musulman, je ne sais pas si tu aurais l'occasion de te réveiller. Parce que c'est tout de suite qu'on va t'entourer. C'est tout de suite. Sommeil profond. Refusons d'être de cette catégorie-là. Refusons d'être de ces chrétiens-là. Elle a attiré la malédiction dans sa vie. Elle a attiré la malédiction. Au verset 20, nous dit quoi? David, malgré cela, elle s'enfonce. Lui s'est enfoncé. Il est rentré dans le sommeil. Le sommeil l'a entraîné. Il est tombé du troisième étage. Il est mort. Il a eu la grâce qui fut ressuscité, qui fut ramené à la vie. Dans les versets qui suivent, fut ramené à la vie. Et j'espère qu'il a pris conscience après ça. On ne parle plus de lui. Il est dit, au verset 1, que David s'en retourna, je vais terminer, que David s'en retourna pour bénir sa maison. Donc après avoir béni le peuple, après avoir dansé pour le Seigneur, il prend quand même la résolution en tant qu'homme responsable. Les hommes responsables, il décide d'aller bénir ses maisons, prier, proclamer les choses. Certainement, il avait reçu une révélation pour sa famille. Il retourne, et qu'est-ce qui se passe? Et Michal, encore elle, fille de Saül, on n'est même pas femme, épouse de la vie, sortit à sa rencontre. Ah, ça veut dire qu'elle a changé. On pensait qu'elle allait sortir quand même pour se répentir. Elle sortit à sa rencontre. Mais qu'est-ce qu'elle dit? J'imagine son visage. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes des serviteurs. Elle est même jalouse. Des servantes des serviteurs. Qu'on se découvrirait un homme de rien. Elle continue encore son mépris. Parce que cela était dans le cœur. Quand on mépris dans le cœur, c'est difficile.
Parce que la bouche parle par l'abondance du cœur. Et quand le cœur est rempli de mépris, quand le cœur est rempli de haine, quand le cœur est rempli de rancune. Ah, merci. Elle fait quoi? Elle méprise davantage. Elle méprise davantage. Et la Bible dit qu'au dernier passage, à la fin, au verset 23, qu'elle fut frappée de stérilité. Au verset 23, il dit qu'elle n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Aïe, quelle désolation pour une femme. Nous faisons d'être des chrétiens stériles. Et si nous mettons à distance quelque chose de Dieu, nous sommes des potentiels chrétiens stériles. Nous ne porterons pas de fruit. Alors que le Seigneur, dans Jean 15, nous dit que nous devons porter le fruit. Porter le fruit. Mais elle portait rien du tout. Elle était stérile. Et juste pour la petite histoire, cette femme, Mica, était mariée à un autre homme. Je ne sais pas si c'est Paltiel. Un autre homme que son père. Voilà pourquoi on est fille de Saül. Parce qu'il a déjà donné sa fille à David. Il s'est permis quand même de la reprendre et de donner un autre homme. Elle était mariée à cet homme. Elle a vécu avec cet homme. David est allé la reprendre, la ramener à la maison parce qu'il a dit, c'est ma femme. Mais, certainement, je ne sais pas si c'est ça la raison. C'est ça certainement contribué. Certainement que son cœur est encore chez l'ancien. Certainement que son cœur est encore chez Paltiel. Et ça, on peut le lire dans 1 Samuel 25, verset 44, à la fin. Le dernier verset, de toute façon, parce que j'ai peur de conversion. Donc, 1 Samuel 25, le dernier verset. Certainement, son cœur était encore chez Paltiel. C'est ça? David va dire 1 Samuel 25, verset 44, et je termine par cela. Je termine. Et Saül avait donné sa fille à Mica, femme de David, à Palti et Cali. Dans le verset, c'est Paltiel, fils de Laïch. Certainement son cœur était là-bas. Et elle me fait penser à une catégorie de chrétiens. Un pied dans le monde, un pied à l'église. Un pied dans le monde, un pied à l'église. Le Seigneur t'a rencontré. Tu as donné sa vie. Peut-être tu aimais quelqu'un dans le monde. Et malgré cela, ton cœur est resté dans le monde. Ton cœur est resté dans le monde. Et cela a cultivé en toi de l'amertume. Cela a développé dans ton cœur de l'amertume. Cela a fait que tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Cela a fait que tu ne te sens pas concerné des choses de Dieu. Cela a fait que tu méprises les hommes de Dieu. Beaucoup de personnes ont méprisé les hommes de Dieu et ils ont été frappés soit de l'être, soit de mort. Je suis arrivé au terme de ce message. Notre attitude détermine la suite. Quelle est l'attitude, quel est ton comportement après avoir écouté ces hommes? Je n'ai pas de sujet particulier. Je voulais simplement que nous nous levons.